Evan, ça va? Ça va et toi? Evan a gagné beaucoup d'XP parce qu'il a participé à un projet qui ne se finit plus et qui va se finir peut-être un jour dans l'année. C'est sûr en fait, mais bon. Là, on avait fait le deuxième épisode de Poser avec. Alors, c'était pas encore officiellement appelé comme ça à l'époque, oui. Mais ça s'appelle comme ça. Et en plus, le micro n'avait pas marché. C'est vrai. Dire que t'as une petite malédiction avec les micros, quoi. On peut dire ça, malheureusement. Toujours j'ai une malédiction avec tout, mais bon. Et là, on est dans un contexte particulier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un petit reportage sur le carnaval. Ouais. Si je me trompe pas, on est le... C'est toi là, parce qu'ils sont en France. Ok. On est le 23 mars, je crois. Oui, c'est ça. Le samedi 23 mars, donc carnaval à Châtillon. Donc on fait un reportage et pour l'instant ça se passe bien. Micro-trottoir, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a fait... Micro-trottoir, ouais. Des gens, on a filmé des événements particuliers. Mmh. On a filmé le défilé des enfants qui est cet après-midi. Et en fait, on fait du vlog en fait, toute la journée. Tout à l'heure, on va aller poser des questions à une compagnie aussi. Oui. Est-ce que tu te rappelles du nom? Ça commence par un H. C'est feu d'artifice en japonais. C'est pas Arafi, je crois. Anabi. Anabi, Circus. Voilà. Anabi Circus. Voilà, je ne m'en rappelle plus. Yes. Ose, on peut en parler ou. Oui, on peut en parler. On peut en parler. Ouais. Jusqu'à une certaine limite. Est-ce que ça. Parce que là, cet épisode, il sort bientôt. Enfin, très peu de temps après le tournage, normalement. Anthony du futur, est-ce que tu me confirmes ça? Et ça avance bien sans dire trop de parce qu'il faut garder un peu l'effet surprise et tout. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien. Il y a des petites anecdotes sympathiques un peu croustillantes à raconter. Un peu croustillantes, j'en ai une, mais bon. Vas-y, tu peux nous raconter ou pas? Est-ce que j'ai vraiment... c'est la. Voilà, une récente. Est-ce que c'est la chute? Est-ce que c'est la déception ultime? C'est la déception ultime. Vas-y, tu peux. Alors. Il se pourrait que lors d'un tournage, on était quelque peu surexcité. Ah, et... celle-ci. Oui. D'accord, oui, elle est encore mieux. Il se pourrait que malencontreusement, une caméra sur le lieu du tournage soit tombée par terre. Elle a voulu faire connaissance avec le. Voilà, c'est ça. Elle voulait découvrir de nouveaux horizons. Enfin, elle voulait élargir son panel de. D'endroit à filmer finalement. Ouais. Et il se pourrait que elle n'a plus trop réussi à filmer après ça, quoi. Voilà. Et voilà, pour les tournages, ça arrive que justement des caméras tombent parce que des gens courent à côté. Mais bon, super. Oui, c'est vrai que c'était une belle anecdote, ça aussi. Mais ça arrive à tout le monde, c'est. Est-ce que ton avis, enfin ton regard sur l'espace jeune, il est différent de l'année dernière. Genre, si tu devais prendre le Evan il y a un an et le Evan de maintenant, est-ce que les Evan, leur regard sur l'espace jeune est concordant? Oui, je pense que c'est le même, toujours. Ouais. Je suis toujours super content de venir. J'essaie de venir régulièrement quand je peux en fait, parce que. Mais t'es au lycée maintenant. Oui, c'est vrai que je sais plus si j'y étais avant, je crois pas, c'est vrai, je crois que j'étais pas au lycée. Et ouais, maintenant que j'ai plus trop le temps, c'est vrai, parce que avant j'étais au collège à Châtillon, là je suis à Bourg. Ouais, donc. Ouais. Mais moi, mon regard c'est toujours le même, je suis super content de venir, les projets sont super cool et voilà. Donc tu peux débunk cette rumeur qui dirait que les lycéens ne viennent pas à l'école? Ah oui, non, bien sûr que non. Les bien sûr, tu n'es pas le seul lycéen. Ah ouais, c'est sûr, hein, la preuve, rien qu'aujourd'hui, il y en a deux autres. Bah, du coup, sur un groupe de 6, il y a 3 lycéens. 3 lycéens, ouais. Voilà. C'est pour l'équipe reportage. Ça y est, Milouane s'est décidé à venir derrière la caméra. du coup, sur le reste de la journée, vous allez faire quoi? Journée carnaval? Ouais, journée carnaval, ouais. Bah là, du coup, on va interviewer la compagnie. Mmh. Donc, je pense qu'on va continuer un peu de micro-totoir. Il y aura aussi le. Je crois le spectacle du coup de la compagnie. Mmh. Et voilà. Et la crémation de la majesté pour. Ah oui, bah oui, voilà. Le carnaval. Okay. Si t'avais envie que je remette une activité en place très prochainement, ce serait quoi? Sports. Il y a une version un peu inédite de Sports qui va arriver dans un nouveau lieu. Qui va être très cool. Avec des votes interactifs où chaque joueur aura une tablette.
pour voter ou faire ses actions. Trop cool. Trop ça, cool. Je trouve ça plutôt cool. C'est la fin de ce petit posé avec. Bah. Voilà, qui était très d'actualité et pas prévu. À l'improvisation. Mmh. C'est comme ça que ça se passait, c'est pas jeune. On se dit à bientôt sur les réseaux. Ou dans la vraie vie. Et bientôt, on appelle à Fulgurant pour Ose. J'espère que vous répondrez à l'appel.